magazine culturel de la semaine. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Top sortie, 8e album, 25 ans de carrière. Les mauvaises langues continuent d'évoquer le monde qui les entoure dans ce nouvel album sorti il y a quelques jours. Étrange affaire, Hervé et Philippe sont nos invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Calafiore qui nous accompagne, bien sûr, pour ces bons plans du week-end. Ça va ? Ça va bien. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Votre groupe qui se compose de trois autres compères, si j'ose dire. On les salue évidemment. Est-ce que vous allez bien ? Ouais, très très bien. Très bien, très bien. Bon, on démarre avec un extrait de ce 8e album, vous êtes d'accord ? Ça s'appelle plaisir. Aujourd'hui. Quand l'horizon m'appelle, l'autre rive du Chanel semble plus loin que d'habitude. L'album à peine sorti est déjà la scène. Bon, je crois que les concerts, ça rythme vraiment votre vie au quotidien. Mais vous étiez dimanche au Sébastopol aux côtés d'Hervé Villard. Première partie, ça s'est bien passé ? Oui, très très bien. C'était vraiment une belle soirée. Un beau moment. Le Sébasto, c'est toujours c'est une scène qu'on a déjà faite, mais il se passe toujours quelque chose de particulier. Effectivement, première partie d'Hervé Villard, on s'était rencontrés il y a de nombreuses années sur une tournée. Et quand il est venu à Lille, il a demandé si on pouvait faire sa première partie, ce qu'on a accepté avec plaisir. Donc des retrouvailles avec lui alors, du coup. Oui, 22 ans après la tournée France Bleu qu'on avait fait. Vous n'avez pas osé le dire. Hein. non, mais au contraire, c'est bien. C'était au XXIe siècle. Exactement, oui. Et puis, on s'était revus aussi lors d'un concert avec Jeff Kino et les Blaireaux. Donc, on avait fait au Théâtre Sébastopol et il était arrivé par surprise à la fin du spectacle. On avait joué Caprice est fini et il était caché dans les loges. Et puis, d'un seul coup, il s'est avancé, ça avait saisi le public, d'un seul coup, de le voir arriver sur sa chanson. C'était pas prévu et c'était un beau souvenir. Étrange affaire donc que nous pouvons écouter depuis le 29 mars. Emmanuel, évidemment, tu t'en fais un plaisir. Ouais, hein, ouais. Tu as passé de nombreuses heures à écouter cet album. Ton avis ? C'est un album qui est bercé d'une douce mélancolie, mais alors mélancolie qui fait du bien, parce que ce n'est pas un album qui est triste, bien au contraire. On évoque le temps qui passe dans les fameuses fiches Bristol, on s'interroge sur l'espèce humaine, notamment dans Étrange affaire qui donne le titre de l'album, ou Notre République qui ne tient pas toutes ses promesses. Il y a de l'amour sous toutes ses formes, comme dans Sur Tapo, le duo avec Laurence Leblanc qui donne des frissons coquins. Voilà, vous irez écouter. Mais oui. Et que dire encore des coquelicots aux accents de Woolsey, mais il y a aussi des violons, des guitares qui rappellent Miossec, Higelin. Vous aviez joué avec Higelin, je dis pas de bêtises. Ouais. Après 25 ans, les mauvaises langues pourraient se permettre de donner des leçons, mais en fait, elles n'en donnent pas, ces mauvaises langues. Au contraire, elles partagent leurs questionnements. Ils nous offrent surtout tout leur amour et toute leur amitié, un album qu'on a hâte de retrouver sur scène pour mieux le célébrer notre région avec les fameuses briques rouges et un gros coup de cœur pour la chanson de toute façon qui est sublime. Eh bien, c'est élogieux. Ah, merci, ouais. Est-ce que c'est... Si j'aime pas, je l'aurais dit. Quand j'aime, je le dis. Et il est beau, cet album. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Après 25 ans de carrière, donc 8e album, cette amitié qui vous caractérise depuis tant de temps. Oui, c'est l'idée de départ du groupe. Il n'y a pas eu de casting, en fait. On est d'abord des amis. On s'est rencontrés, Hervé et moi, à la fac. Bertrand est arrivé assez vite. Et on est encore quatre du début de l'aventure. Donc, tout ça s'est fait effectivement autour d'une histoire d'amitié. Ce qu'on aime, c'est monter dans le camion et partir ensemble sur les routes pour aller de scène en scène. Parce que c'est vrai que c'est un peu notre métier principal. Et c'est important dans les chansons de parler de la région, de vanter ce nord que vous aimez tant, là, notamment Brique Rouge, elle est très très belle. Vraiment, là, c'est une déclaration d'amour. Il y en a déjà eu pas mal. Hein. Et puis, ça se ressent avec les artistes de la région, de parler de notre région. Mais là, pour vous, c'est aussi important, cet ancrage-là. Oui, à chaque fois, à peu près, chaque album, il y a un petit clin d'œil à notre région, parce que on a l'habitude de dire qu'on écrit sur ce qu'on observe, donc forcément, habitant dans cette région. Et puis, c'est une... Alors, Hervé, lui, c'est une région d'adoption pour lui. Moi, je suis né ici. Je suis transfuge. Mais oui, la brique rouge, parce que c'est vraiment symbolique de chez nous, quand on remonte du sud et qu'on commence à voir l'architecture des maisons qui changent. Et puis, il y a des petits clins d'œil aussi, à la fois au bassin minier. Moi, mon grand-père était mineur, donc il y avait ce petit clin d'œil-là. Mais oui, on avait envie de rendre hommage par ce symbole de la brique rouge à notre région.
Alors, je parlais de pop mélancolique. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une déclaration d'amour à nos voisins d'en face. C'est vrai que vous avez écrit la chanson sur la Côte d'Opale en regardant les Anglais qui nous ont un peu quittés. Le morceau que l'on vient d'écouter, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est Philippe qui, je crois, au lendemain du Nouvel An, si je me souviens bien, a regardé de l'autre côté de la Manche et s'est dit, ça y est, c'est fini. Ouais. Voilà. Et cette chanson, elle nous renvoie aussi à une nostalgie de l'adolescence, puisque c'était un peu un Eldorado, l'Angleterre, pour nous. La musique, ouais. La mode, enfin, tout ce que l'Angleterre projetait comme fantasme, c'était une inspiration pour les jeunes musiciens qu'on était. On a eu un côté inspiration chanson française plus traditionnelle, et puis ce côté anglo-saxon. Et voilà, on a l'impression que ça s'éloigne maintenant, alors qu'on avait envie de s'en rapprocher le plus possible. Les effets du Brexit. Un album pop taillé pour la scène, hein, ça je dis. 25 ans, plus de 1000 dates depuis la création du groupe. Comment est-ce qu'on garde cette énergie constante, permanente? Parce que le temps passe. Que le temps passe. Et là, on en a parlé, donc j'assume aussi. Là, j'avance. Comment? Écoutez, moi, j'ai toujours autant de trac. Je pensais qu'avec les années, j'allais devenir beaucoup plus sage et aborder ça plus serein. Donc, en fait, je pense que ce trac, il est lié aussi à l'envie de ne pas décevoir. Et puis, je pense qu'il y a de l'adrénaline à chaque fois qui fait qu'on vit cette émotion très, très particulière. Je crois que c'est l'envie d'une émotion partagée, en fait, avec des gens, tout simplement. Vous avez public vraiment fidèle depuis toutes ces années? Oui, on a même les enfants des premiers, voilà, qu'on retrouve. Ça y est, une génération, 25 ans. Voilà, c'est ça. Et c'est bien parce qu'on se connaît personnellement. Donc, on se voit à la fin des concerts, on se salue, on parle de nos vies. Oui, c'est bien d'avoir un public qui nous suit. On se quitte avec ce dernier extrait, Emmanuel. Oui. Ça s'appelle La Fontaine. Justement, on revient dans les souvenirs. Les yeux croisent les visages, on s'y connaît. Je suis fier du parrainage. Hervé Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les Mauvaises Langues, donc, qui sort ce nouvel album Étrange à faire. On pourra vous retrouver notamment le 6 juin sur la scène du Splendide à Lille. Vous restez avec nous pour les bons plans d'Emmanuel. Et un petit tour en train pour commencer. Oui, depuis 3 ans, le Centre de la Mine et du Chemin de Fer organise son festival à Oigny. Vous allez donc pouvoir faire des promenades à bord de tout petits trains sur de véritables voies ferrées, certes miniatures. Il y a aussi des simulations de conduite. Vous pourrez aussi découvrir la maquette du site de la Fosse 2. C'est samedi, c'est dimanche, 10h, 18h au Centre Denis Papin de Oigny. Et puis, c'est peut-être votre passé de prof. Vous pensez déjà aux vacances? Oui, il faut caser les enfants, là. Avec la rouverture, donc, depuis quelques jours, de ce qu'on appelle la Cité Déchaînée, un parc d'activités situé au Quénois qui propose chaque année des nouveautés, notamment un mini-golf tout neuf et surtout beaucoup plus grand. Des jeux gonflables pour les grands et aussi pour les petits parce qu'ils ont créé une zone petite enfance. Il y a toujours le mur d'escalade, le parcours d'obstacles. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez faire une balade dans ce qu'on appelle les fameuses Rosalie, les voiturettes à pédales. Il reste une inconnue, la qualité de l'eau qui va être testée parce que si l'eau ne contient pas de cyanobactéries, alors l'espace paddle et canoë sera ouvert. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Top Sortie. Ce samedi matin, comme d'habitude, bien sûr, les ch'tis de sortie avec Clément Paulin. Clément qui vous proposera un cours de cuisine avec les toqués qu'on connaît bien dans la métropole lilloise. On vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end Hervé et Philippe. Merci beaucoup. À très bientôt, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à lundi.